Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans Plein dans le Mix. Aujourd'hui, on va tester un préamp et c'est le Magic Pré de chez Friedenstein. Ok, donc ça faisait un petit moment que je voulais rajouter des préamplis avec des caractéristiques un petit peu différentes ici au studio. Donc je suis tombé sur celui-ci. Friedenstein, c'est une marque que je connaissais déjà parce que j'ai leur alimentation pour mes modules 500. D'ailleurs, elle fonctionne très bien. Si vous avez des modules assez gourmands, elle arrivera à les alimenter sans souci. Et donc ici, pour ce préampli, c'est assez simple. On a un bouton volume ici, le gain d'entrée. Ici, on a une lampe qui va s'allumer en vert qui va nous indiquer le gain de sortie. Nous avons ici un bouton color, un bouton pad et un bouton 48 volts. Le couleur sert à augmenter enfin, colorer un petit peu le son, donc c'est des harmoniques qui vont ressortir un petit peu plus. Voilà, on va voir tout ça en détail. Ce que je vous propose, c'est que je vais enregistrer plusieurs prises. Donc une guitare acoustique avec le piezo directement dans la DI du préampli. Ensuite, je vais mettre un micro devant une autre guitare, un micro statique à petite membrane. Ensuite, je vais faire du chanvre sur une large membrane et caisse claire, grosse caisse sur des micros dynamiques. Je vais faire à chaque fois une prise séparée les unes après les autres et je vais passer le micro à chaque fois dans ce préamp-là. Comme ça, on va voir, vous allez écouter un petit peu dans les différentes sources et différents micros comment le préampli sonne. Et ensuite, je vous donnerai un petit mix de la session, on va dire, pour que vous puissiez écouter ce que ça donne. En description, je vais mettre les waves HD des prises brutes, sans écho, sans rien, sans compression, pour que vous puissiez écouter les prises hors compression réseaux sociaux. Ok, donc si on va sur le site du constructeur, on nous dit que la première chose qu'on retient de ce préampli, c'est ce gros truc vert qui est en plein milieu. Et en gros, ça, c'est une lampe. Et c'est une lampe qui va réagir au signal et va nous montrer en gros le signal de sortie du préampli. En fait, on a ces petits. On va dire que l'œil se ferme, donc c'est ces deux côtés qui se rapprochent. Et quand ils vont presque pour se toucher, c'est qu'on a un signal optimal de sortie, on va dire. S'ils se dépassent l'un l'autre, c'est qu'on est dans le rouge. Donc en fait, en gros, c'est un vu-mètre, mais au lieu d'avoir des aiguilles ou des indicateurs à LED. Ils ont foutu une lampe, donc c'est sympa, c'est fun. Voilà, c'est quelque chose qu'on remarque. Mais on nous dit ici aussi que ce préampli, il a un caractère un peu vintage, sans pour autant être dark, donc sombre, et mid-rangey, donc avoir beaucoup de médium. Il a un transformant d'entrée et un transformant de sortie. Donc je m'attarde pas sur le côté technique de la chose. Moi, on me dit que c'est un préampli qui a du caractère et qui a un côté vintage. Ça me donne envie de le tester, de l'écouter. On a aussi une entrée DI, 2 mégaohms à haute impédance en entrée. Et on nous dit qu'on a un gain jusqu'à 70 dB. Ensuite, on a un bouton color qui va rajouter des harmoniques et qui va donner une sensation de préampli à lampe. Un peu comme on peut avoir sur les SSL où on a la deuxième et troisième harmonique qu'on peut booster. Ici, on a le Alpha VHD Pré. C'est peut-être un peu le même délire. On va écouter tout ça de toute façon. Donc, moi j'aime bien enregistrer aux alentours de moins 15, moins 12. Un truc comme ça. Donc, on voit ici que les yeux ils bougent. Enfin, ce qu'ils appellent eux les yeux, c'est-à-dire que ces deux lignes ici se rapprochent. A priori, quand elles se touchent, on devrait clipper. On va voir si c'est le cas. Ouais, ça marche. C'est à peu près ce qui est prévu dans la notice. Donc nous, on veut pas absolument pas clipper. On va se mettre par là. C'est pas mal. Donc je vais prendre mon petit casque pour rester, pour suivre un clic, puisque je vais faire plusieurs prises, ce sera mieux. Ok, donc je vais enregistrer d'abord la guitare.
I don't drink coffee, I take tea, my dear. I like my toast done on one side. And you can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. I don't drink coffee, I take tea, my dear. I like my toast done on one side. And you can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien. Ok, écoutons maintenant la fonction color. Ok, donc moi j'aime bien ce préamp, je trouve qu'il a une bonne coloration, qu'il a un petit caractère bien sympa, qui fonctionne plutôt bien sur toutes les sources. Je vais peut-être en acheter un ou deux autres. Évidemment, tout ça c'est très objectif, donc chacun aura son avis. Mais en tout cas, ça marche pour moi. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve bientôt pour un autre test. Ciao, ciao!